C'est maintenant que se déroule la course au logement pour les étudiants. Et l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines entend les aider. Comme chaque année, la 6e édition du Forum Logement vient de se tenir. L'occasion donc pour trouver une chambre ou un studio de récupérer de précieux conseils. Le reportage de Nicolas Dandry. D'un côté, la famille Buyas, de l'autre, Grégory Trèfle, étudiant en M2. Leur différence, Charlotte va entrer en première année d'études supérieures à 3IS. Grégory va faire, lui, un nouveau Master 2 spécialité Finance. Tous les deux recherchent un logement pour l'année prochaine avec plus ou moins de difficultés. Un logement nous ayant été réservé sur une nouvelle résidence, on a profité de ce forum pour venir visiter la future location de notre fille. On nous demande plein de papiers, il faut être présent. Il faut remplir des critères, il faut visiter, parfois il faut regarder la logistique, il y a plein de choses à regarder. Donc je trouve que c'est un peu compliqué. Pour faciliter la recherche de logements étudiants, Saint-Quentin-en-Yvelines a développé sa plateforme Locavise. Objectif, mettre en relation les propriétaires avec les étudiants en recherche de logement. Là par exemple, nous avons une proposition de logement, une chambre chez l'habitant. Donc là vous avez le descriptif, la surface, la disponibilité, les dates de disponibilité, et ainsi que le montant du loyer. Différents acteurs, publics et privés, interviennent sur le marché du logement étudiant. Sur le site de l'UVSQ, le CROUS propose près de 400 places, l'ARPEJ plus de 450. Les réservations peuvent se faire durant tout l'été jusqu'à la rentrée en septembre.